Salut à tous les gars, c'est Drop Dead Boy. Aujourd'hui on se retrouve sur la map Raven the Redwood pour une information astuce glitch God Mode. Donc pour tout vous avouer, Soit Cool a sorti la vidéo du God Mode parfait et imparfait sur sa chaîne, donc dédicace à Soit Cool. Allez sur sa chaîne, c'est mon poteau. Je vous avouer que j'avais fait la vidéo avant qu'il la sorte cette nuit, mais je ne l'avais pas publié donc sur Spaceland. Hein. Je l'avais pas publié, je pensais la publier aujourd'hui ou demain. Et il l'a publié cette nuit, donc pour pas vous proposer le même contenu que lui, je vais vous le faire sur Rave in the Redwoods, comme ça vous aurez les deux vidéos en explication. Donc c'est simple, vous mettez en God Mode. Hein. Si vous voulez savoir comment faire le God Mode, vous allez sur la vidéo précédente. À celle-ci, je vous ai fait le God Mode avec les saucisses. Donc je vais vous montrer. On va juste éloigner les zombies. Pourquoi le God Mode est parfait et imparfait comme il l'a expliqué? Donc pour avoir un God Mode parfait, une fois que vous avez fait le God Mode, il faut surtout pas passer dans le toboggan sur Spaceland, ou là, dans le cas où on est ici, ne pas passer dans la petite fontaine. Je vais vous montrer avec un piège. Je vais activer le piège. Le piège, il saura pas me tuer. Vous voyez? Le piège ne me tue pas. On va essayer de pas tuer les zombies. Voilà. Ah merde, on a tué les zombies, c'est pas grave. Donc vous avez vu, le piège ne m'a pas tué. Maintenant, on va aller dans la petite... le petit ruisseau, la petite fontaine, là, le genre de toboggan dans la boue. Et je vais vous montrer qu'après, une fois que j'aurai activé les pièges, je serai en God Mode imparfait. Donc le God Mode loupé, on va dire, quoi. Je vais vous montrer. On y arrive. Donc là, le ruisseau ici. Une fois que vous tombez dedans, votre God Mode, donc vous serez toujours en God Mode, mais vous serez plus invulnérable au boss, vous ne serez plus invulnérable au piège. Je vais vous montrer, je vais aller dans un piège et je vais mourir. Donc les zombies, vous êtes toujours vulnérables, hein. Invulnérables aux zombies, pardon. Donc voilà, les zombies vous feront rien. Par contre, les sécheurs vous tuent, les pièges vous tuent. Et les boss vous tuent. Je vais vous montrer ça, y'a pas de soucis. Voilà pourquoi le God Mode, des fois, est parfait et imparfait. Je vais vous montrer, je vais me mettre sous le piège là et je vais mourir. Parce que je serais passé dans le petit ruisseau. Vous voyez, je meurs instantanément. Voilà donc pourquoi le God Mode est parfait et imparfait. Petite astuce et information en plus que Soit Cool n'a pas mis sur sa chaîne, dédicace à lui encore une fois. Quand vous allez dans le Ghost and Skull, si vous avez un God Mode parfait, vous ne pouvez pas mourir dans le Ghost and Skull. Même si dans le Ghost and Skull vous mourrez et vous réapparaissez à l'infini. Dans le Ghost and Skull, si vous faites le God Mode parfait, quand il n'y aura plus de down, donc ça ne faussera plus vos statistiques zombies. Donc voilà, c'est une petite info en plus. Donc voilà les potos, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir, ou commentez, ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les potos.